Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va voir juste ce qu'il faut, l'essentiel pour apprendre The Girl from Ipanema, donc Bossa Nova do Brasil, sur un harmonica chromatique 12 trous. Je vais d'abord jouer, pas le morceau entier, parce que de toute façon, après, c'est les refrains reviennent plusieurs fois dans le morceau, mais l'essentiel, et ensuite je le décortiquerai. Bon voilà, après je vous laisserai donc le lien vers la musique pour que vous puissiez voir le nombre de couplets qu'il y a, puisque moi je ne le connais pas moi-même, je vous joue ça un peu d'oreille. Je le refais encore une fois. Thème. Je vais placer ma main d'une façon peu conventionnelle, mais c'est juste pour que vous voyez ce qui se passe avec le piston. Je le refais une deuxième fois. La suite. Alors on va répéter ça plusieurs fois pour que ça rentre, pour arriver à placer son piston correctement. Pas très compliqué. Maintenant, une fois qu'on a ça, on reprend le thème depuis son début, donc. Alors je reprends cette phrase-là pour qu'on la répète. Ok, la suite.
reprend donc depuis le début. Par la suite, donc, on va remonter comme ceci. Alors, je reprends le dernier phrasé pour qu'on puisse faire la liaison correctement. Etc, etc, et on reprend depuis le début comme ça le thème. Excusez-moi, je coupe, je vais mettre un peu la lumière parce que là on voit plus que. Donc je disais sur le final ici donc. Et on peut aussi faire une petite fioriture, le prendre un petit peu plus bas. Vous pouvez aussi faire une chose, c'est que dans la mesure où il y a plusieurs couplets dans ce morceau, qui sont identiques au niveau de la mélodie, vous pouvez très bien commencer comme ceci aussi. Heureux possesseur d'un 16 trous, par exemple, vous pourrez jouer toute la partie dans les graves. Hein. Mais sur un 12 trous, on peut de temps en temps varier comme ça et changer. Je vais donner ici un exemple sur lequel je mettrai la tablature aussi pour aller dans les graves, mais ça sera pareil. Le positionnement à peu près sera le même. Donc, ça vous permet comme ça de voyager un petit peu d'un octave à l'autre. Voilà, c'est juste à titre d'exemple, vous pouvez comme ça vous amuser à faire la même chose en allant un petit peu plus grave, un petit peu plus aigu. Etc. Les combinaisons sont multiples. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.